L'année dernière en Auvergne, lors de mon GR30, j'ai su me prouver que j'étais capable de partir en trek sur plusieurs jours. Cette année, l'appel de la montagne est présent. Parce que la vie est un défi, parce que j'ai encore des choses à laisser sur le chemin. Plus loin, plus haut, plus dur. Suivez-moi en Beaufortin. Allez, yo la team, on se retrouve pour une vidéo projet Beaufortin. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, l'annonce du trek de l'année, projet Beaufortin 2024. On va partir à la montagne. Dans cette vidéo, je vais présenter un petit peu les bases du projet. À l'instar de l'année dernière où j'ai présenté des vidéos projet GR30 que vous avez pu retrouver sur la chaîne, où j'ai trouvé sympa de développer justement, tous les préparatifs en fait, tous les questionnements que l'on peut avoir avant de partir en trek, je trouvais intéressant de le faire pareil cette année pour le projet Beaufortin. Donc voilà, on va poser les bases du projet, les étapes, le parcours, où ça se situe, quand, comment, bref, on va détailler tout ça. Allez, j'avance un petit peu et on se retrouve après. Allez, on se retrouve dans les Landes de Millin Arlan que vous connaissez. Voilà, j'aime bien aller là. Et puis, comme je veux faire une présentation de matériel juste après, vous le verrez dans le prochain épisode de Projet Beaufortin, je me disais que c'était sympa de venir là. Alors, avant de commencer, remerciements. Tout d'abord, vous l'avez vu, petite intro avec des plans drones. Remerciements à Corentin de CDX Film, petite chaîne YouTube, qui m'a prêté, qui m'a même donné, qui m'a cédé une partie de ses plans drones faits dans le Beaufortin pour me faire une petite intro. Donc voilà, merci à lui. Je vous mets le lien de ses réseaux très sympathiques à suivre, le Facebook, le YouTube et l'Insta. Merci Corentin, c'est très cool à toi. Sans transition, projet Beaufortin, je le disais, on va détailler un petit peu le parcours. On va détailler où, quand, comment, de quelle manière, etc. Les généralités sur le parcours du Beaufortin pour que vous, peut-être un jour, vous puissiez vous inspirer de ce que, de la façon dont je le prépare pour vous-même préparer votre tour du Beaufortin. Alors le Beaufortin, ça se situe où? Eh bien ça se situe entre Savoie et Haute-Savoie, autour évidemment de la ville de Beaufort. Beaufort bien connu pour son bon fromage de vache que je compte bien goûter sur le chemin. Donc je le disais, GRP et non GR, l'année dernière c'était bien un GR, marque blanche et rouge. Cette année on va suivre les marques jaunes et rouges, car c'est un GR de pays et non un chemin de grande randonnée. Tour du Beaufortin, car il s'agit bien d'une boucle de 140 km pour à peu près 6000 mètres en dénivelé positif, donc ça va cogner un petit peu dans les jambes, un peu plus qu'en Auvergne, on avait 190 km pour 5000, je crois, en D+, donc voilà, on va la sentir passer certainement. Au départ donc de la ville de Kège, on partira sur les chemins sillonnés, donc tous les massifs bien connus du coin, avec en point de mire le Mont Blanc. On n'est pas loin du Mont Blanc et on emprunte même à un moment donné le parcours du TMB. TMB est encore un rêve inaccessible pour moi, mais qui sait un jour. Il y aura une étape prologue, car je compte bien arriver d'abord à la ville d'Albertville, qui est au sud-ouest de Kège, et faire un prologue de 9-10 bornes avant de remonter vers Kège. Voilà, ce sera, j'aurais pu le faire en voiture, par des transports, mais je vais le faire à pied. Voilà, histoire de me poser, de par l'organisation de mon voyage, j'y reviendrai dans une autre vidéo projet Beaufortin. Mais voilà, il me sera utile de m'arrêter la première nuit, certainement à Albertville. Et on partira le lendemain matin à la fraîche jusqu'à Kège pour faire une grande étape dès le début. Donc ce sera cool à suivre. Et on part quand? Eh bien on part fin juin, dernière semaine de juin, c'est assez tôt dans la saison. C'est ce qui est conseillé dans les guides, dans le topo guide, c'est la meilleure période
en termes de journée, de floraison également, au niveau des paysages, c'est sympa. Par contre, le risque d'enneigement au niveau des cols risque d'être présent, données qui m'inquiètent un petit peu, mais bon, on verra comment j'organise ça. Voilà, à l'heure actuelle, j'ai pas encore trop documenté mes recherches par rapport à ça. Voilà, je mets cette donnée pour l'instant entre parenthèses. J'en reparlerai très certainement dans une vidéo au projet Beaufortin très bientôt. Alors vous me direz pourquoi le Beaufortin? Eh bien, j'avais envie de connaître la montagne. Voilà. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, voilà, je suis petit breton et je sillonne sur mes chemins bretons tranquillement et je ne connais pas du tout la montagne. Donc voilà, il m'a fallu choisir un parcours. J'ai hésité entre plusieurs parcours. Je voulais de toute façon une boucle et si possible qui n'aille pas trop en altitude. Point culminant du Beaufortin, je crois que c'est 2800 mètres, pas plus. Donc ça reste correct, on ne dépasse pas les 3000. Je ne connais pas ma réaction face à l'altitude. Marcher en altitude va faire monter le cardio évidemment. Donc voilà, je voulais pas me mettre dans le rouge de trop, je sais que je le serai déjà à ces hauteurs là, donc voilà, il fallait un parcours voilà, engagé, mais pas trop non plus. Donc voilà, l'envie de connaître la montagne, et puis l'envie également de sortir un petit peu de sa zone de confort. Ça fait quelques années maintenant que je randonne, j'ai fait pas mal de rando, pas mal de bivouac, et voilà, je commence à avoir une certaine maîtrise dans l'ensemble. Je voulais voilà, connaître autre chose, me mettre un petit peu face à d'autres difficultés, d'autres manières de faire, les bivouacs, les refuges, voilà, plein de choses qui vont être différentes et bah, qui sont intéressantes. Et moi j'ai envie de, voilà, de pas forcément stagner dans ma pratique, essayer d'avoir un petit défi un peu supérieur à ce qui a été fait en Auvergne pour bah, justement voilà, me prouver des choses personnelles, me dire je suis capable de faire eh bien, 140 km en montagne tout seul. On va reparler tout à l'heure de la question de l'autonomie et de la semi-autonomie. C'est évidemment un point à aborder. Mais ouais, je suis content. Content de me dire que je vais dans quelques mois partir à la montagne, faire ce beau trajet. Voilà, c'était la principale motivation, voir la montagne et sortir de ma zone de confort. Autre point qui était important pour moi, c'était eh bien, de ne pas me galérer avec l'eau. Et je sais que le Beaufortin est une région très très verte. Voilà, on est en quasi moyenne montagne, c'est voilà, c'est très vert, il y a de l'eau un peu partout. De ce que j'ai pu voir, j'ai envoyé des messages à pas mal de personnes qui m'ont confirmé que le chemin était jalonné de sources d'eau. Il y a moyen de trouver de l'eau, évidemment avec un filtre, tout ça sera à mettre en place. Mais voilà, c'était une des motivations également. Je voulais un parcours en montagne, mais qui ne me pose pas de problème de ce niveau-là. Parce que je suis dépendant beaucoup de l'eau, moi, et j'ai besoin de beaucoup d'eau pour avancer. Je sue beaucoup. Du coup, voilà, c'était très très important pour moi de me dire, bah écoute, au moins, je vais pas me galérer avec l'eau. J'aurai mon fil, je prends de l'eau quand j'ai envie. Je ne vais pas avoir besoin d'emporter de trop. Donc voilà, le souci de l'eau sera un souci, on va dire, subsidiaire. Donc ça, c'est nickel de ce côté-là. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'ai choisi également le Beaufortin. En termes de bivouac également, pas trop de difficultés apparemment en Beaufortin. On n'est pas en réserve naturelle, donc il y a possibilité de bivouaquer un peu partout. Des refuges sont présents, donc si jamais je me sens vraiment pas bien et que j'ai un gros souci, le climat n'est pas bon, je sais qu'en montagne c'est très, très changeant, bah, j'aurai toujours la possibilité de me poser en refuge. Donc voilà, ça me met en confiance sur pas mal de points. Voilà, je sais que j'aurai d'autres difficultés pour parcourir ce trajet, notamment physique, hein. On est au niveau zéro là actuellement. Donc voilà, toutes ces choses-là me font dire que ça devrait en tout cas ne pas poser trop de problèmes en termes d'intendance. Allez, on avance un peu, on va se poser, même peut-être boire un café, il fait pas très très chaud là, j'ai soif. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour ce petit café, on va parler de choses très intéressantes en fin de vidéo. Donc à tout de suite. Voilà, la tempête Ciaran a encore laissé des dégâts un peu partout. Des fagots, des arbres encore cassés, bref. Elle est toujours présente, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur cette tempête qui aura fait bien des dégâts.
pas si vous aimez ces petits plans là au sol avec le Osmo Pocket, c'est vraiment sympa. Elle vous traque et du coup ça permet de suivre un petit peu le mouvement de la personne ou de l'objet qu'on souhaite filmer. Donc c'est vraiment chouette. Allez, je me pose là, j'ai un petit endroit sympa pour boire un café. Et on va détailler 2-3 petites choses en plus avant de conclure. Donc voilà, on est pas mal ici, hein, on va poser le sac, on va se faire un petit café et on va continuer un petit peu cette présentation eh bien, du projet Beaufortin 2024. Toujours un petit sac à la journée, le Talon Osprey 22. N'hésitez pas à retrouver la vidéo sur la chaîne pour ceux que ça intéresse. Un petit sac à la journée très sympa. Là, j'ai envoyé toutes mes affaires de vidéos, notamment le drone, ma petite poche pour faire le café, etc. Nickel. Très très bien pour la journée. N'hésitez pas à checker cette vidéo sur la chaîne. Allez, je sors le réchaud. Toujours avec le fameux petit BRS, le BRS 3000T que j'ai en test actuellement depuis quelques sorties. Voilà, je ne ferai pas une revue détaillée, il y en a pas mal déjà sur les vidéos YouTube que j'ai pu voir. Voilà, c'est quelque chose de présent, c'est encore en test, c'est pas si mal, mais c'est pas fou non plus. Donc voilà, il faut que j'analyse un tout petit peu plus la chose, quel est l'apport vraiment entre confort et poids. On verra dans une prochaine vidéo que s'alléger va être super important pour cette randonnée dans le Beaufortin. Voilà, il y aura tout un process avec pas mal d'items différents. J'en parle dans une prochaine vidéo. Le BRS, voilà. On va se faire notre petit café avec. Et voilà. Il n'y a pas à dire, la petite pause café, ça fait vraiment du bien lors d'une petite sortie rando. N'hésitez pas à faire des pauses, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo. La pause, moment essentiel en rando. Petit café avec évidemment les petites tasses Tox. Voilà, très très léger, du titane, ça pèse que dalle dans un sac, c'est vraiment idéal à avoir. 550 ml, de quoi vous faire chauffer votre pot, vos lyophies, vos cafés, etc. C'est top. Alors on sera sur place pendant 7 jours, j'espère le faire en 6 jours, mais suivant les jambes, clairement je ne vais pas non plus forcer la machine, j'irai à mon rythme, tranquillement, pépère, je sais que ça va être difficile, donc on va prévoir 7 jours, on va prévoir assez large, et si je le fais en 6, ben, je serai très content. Donc, on va dire une grosse semaine qu'il va falloir porter sur son dos en termes de nourriture, la question de l'autonomie. Alors on parle souvent d'autonomie et de semi-autonomie, alors clairement, j'en ai parlé tout à l'heure, l'eau ne sera pas un problème, donc je ne porterai pas beaucoup d'eau. Par contre, je vais porter toute ma nourriture, on sera bien en autonomie. Je ne compte pas profiter de trop des refuges. Alors évidemment, si je trouve un refuge sur le chemin qui me propose un bon petit sandwich ou une petite bière, n'est-ce pas, je ne dirai pas non, je m'arrêterai et je boirai une petite bière, je mangerai mon petit sandwich ou je prévoirai pour le lendemain un sandwich, enfin bref. Mais en dehors de ça, je vais prévoir toutes mes rations, les rations du soir, rations du midi, j'aurai mes graines, mes snacks sucrés, salés, bref. Voilà, il y aura un peu de tout dans le sac, donc je vais être lourd en nourriture, certainement plus lourd qu'en Auvergne, mais je vais gagner du poids d'un autre côté, on en parlera dans une autre vidéo. Je vais essayer de gagner un peu de poids un peu partout, donc voilà, on développera ça un peu plus tard. Mais autrement, voilà, on sera en totale autonomie. Pas envie de dépendre des refuges, j'ai pas envie de dormir en refuge. Si jamais, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment claqué, que j'ai un souci en termes de météo, un souci physique, ben, je m'arrêterai en refuge et voilà, je ferai la pâle figure face à vous. Mais voilà, le bivouac va être ma priorité, essayer de trouver des spots de bivouac tous les jours et puis être en autonomie totale.
Si vous, montagnard, avez déjà fait le Beaufortin, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. Il faut mettre des commentaires pour un peu m'aiguiller sur les endroits où vous avez pu trouver un super spot ou voilà, les refuges qui sont sympas, qui sont peut-être un peu plus typiques, pas les espèces de gros refuges là, qui ça m'attire pas trop d'être avec plein de personnes. Donc voilà, si vous connaissez des petits refuges, des petits endroits dans le Beaufortin où on peut s'arrêter, boire un coup, voilà, très 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 cool quoi, sur le chemin, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça me fera plaisir. Donc voilà, la question de l'autonomie, semi-autonomie est posée. Les refuges aussi. Si je vois que j'ai les jambes, je me prévoirai quelques variantes. Je sais que le Beaufortin prévoit quelques variantes qui rallongent un petit peu la sauce, mais qui peuvent être sympas à faire. Si j'ai les cannes, j'essaierai également de faire bien des variantes sur le parcours. Je n'ai pas prévu d'étape fixe, comme je le dis, ça dépendra vraiment de mes jambes. En tout cas, à l'heure actuelle, je ne prévois pas d'étape fixe. J'étudierai un peu plus en profondeur tout ce qui est dénivelé de refuge en refuge pour voir un petit peu la difficulté. Je sais qu'il y a des gros dénivelés sur assez peu de distance parfois, donc voilà, je ne vais pas faire le kikou non plus, mais voilà, j'ai pas envie de trop prévoir les choses. Je n'aurai pas d'étape précise, c'est pas comme en Auvergne où je pouvais là déterminer mes étapes un peu à l'avance, hein, c'est ce que j'avais un peu anticipé. Là pour le Beaufortin, je ne vais prévoir rien. Je vais partir sur le chemin et quand je serai fatigué, je m'arrête. Si je fais 12 bornes, ben je m'arrête. Si j'en fais 25, ben je serai content et je m'arrête aussi si je suis fatigué. Bref, voilà, je ne me donne pas de limite, en tout cas en termes d'étapes. Donc voilà, moi je vais finir eh bien, mon petit café. Je pense avoir fait le tour sur les bases du projet Beaufortin. J'espère que ça vous a intéressé et que ça en intéressera certains pour préparer eh bien, leur projet. Si vous avez déjà fait le tour du Beaufortin, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je l'ai dit tout à l'heure, mais faites-le, c'est important pour un peu m'aiguiller. Et puis même pour ceux qui passeront dans la section commentaires pour qu'eux puissent trouver des informations. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour sur ces bases. On se retrouve très très vite pour une vidéo qui parlera eh bien, d'allègement. Il va falloir s'alléger pour marcher en Beaufortin. Voilà, on parle de tout ça très très vite. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve où? Je ne sais pas quand. Ben, je ne sais pas, mais on va se retrouver très bientôt, vous le savez. Et en attendant, ben, lève-toi et marche. Ah, je vais un petit café. Excellent. Pause café, il n'y a rien de mieux. Allez, moi je vous laisse.